a quoi après? Non, on a français. Non, on a français. C'est trop bien, tu peux mettre des smash. Ouais, mais je peux. Bah, le foot. Mais j'étais un masque. Oh, en fait, les gars, je vais avoir une PS5 à mon anniversaire. Oh, trop bien, je pourrais venir et jouer ça. Bien sûr. Et moi aussi, je pourrais venir. Bien sûr, Hugo. Ça va être trop bien. Toi, c'est honnête, tu vas venir à mon anniversaire? Mais t'es sérieux, je vais quand même pas l'inviter. Ta gueule, Hugo. J'avais de qui je veux à mon anniversaire. Viens, approche. Rendez-vous dimanche à 14h au Laser Game. T'as compris? Allez, dégage, Savonnette. Noé, t'es prêt? Eh, hey, Savonnette, n'oublie pas le rendez-vous hein, pour mon anniv. Hein. C'est pas samedi ton anniversaire au Laser Game? Si. Mais... Tu lui as dit que c'était dimanche. Mais tu croyais quand même pas que j'allais inviter Savonnette? Imagine la tête qu'il va faire quand il va se pointer qu'il y aura personne. On est trop fort, mec. Mais les parents à Savonnette, ils vont voir qu'il y a personne. Et ils vont appeler les tiens. Bah, j'aurais qu'à dire qu'il a mal compris et que... Je suis vraiment triste qu'il ait raté mon anniversaire. T'es un génie. Au fait, les gars, avec Alex, on se demandait... Ouais, pourquoi vous l'appelez Savonnette? L'année dernière, on était à la piscine et il a glissé sous la douche. Depuis, tout le monde l'appelle Savonnette. Ah, ok, mais ça le saoule pas qu'on l'appelle Savonnette? Mais Tom, qu'est-ce qu'on en a à foutre que ça le saoule ou pas? Ouais, ici, tout le monde l'appelle Savonnette, c'est compris? Bon, okay, on l'appellera comme ça. Noé, tu dois lui dire d'arrêter de t'appeler Savonnette. Ouais, je sais, t'as raison, Suzy. Si tu veux, on va en parler au CPE? Non, surtout pas, parce qu'il vient de m'inviter à son anniversaire, et si on va voir le CPE, il risque de changer d'avis. Franchement, Noé, tu devrais pas y aller, lui et ses potes te pourrissent la vie depuis l'année dernière. Je sais, t'as raison, Lola, mais s'il m'invite à son anniversaire, ça veut dire que les choses sont en train de changer. Ouais, je l'espère, mais méfie-toi, ce mec, il est tordu. Au fait, vous allez à la réunion parents-prof ce soir? Oui, moi j'y vais avec mon père, mais quand il va voir mes notes, il va me tuer. Pourquoi il regarde pas prendre ton père? Non, je lui ai pas donné ses codes, je lui ai dit que le collège les avait perdus. Non mais Suzy, t'es sérieuse? Ouais, je sais Lola, j'ai fait de la merde. Et toi Noé, tu vas? Non, parce que je vais chez mon père et à cause du boulot, il peut pas y aller. Il fait quoi déjà? Il est policier. Moi, mon père, il est architecte. C'est lui qui a construit. Attention les gars, je suis super fort au laser game. Salut Sam, tiens. C'est quoi? C'est un livre. Je suis vraiment désolée d'avoir raté ton anniversaire. Et pourtant, je croyais que tu m'avais dit dimanche. Bah oui, je t'ai dit dimanche. Mais je comprends pas. Tu crois quand même pas que j'allais t'inviter à mon anniversaire? Personne veut de toi ici. Pas vrai les gars? Ouais, casse-toi, fais chier. Dégage. Et un livre? Qui offre encore ça aujourd'hui? Vas-y, va là-bas, dégage. Pas. Noé, je suis désolée. Tout à l'heure, j'ai peut-être un peu abusé, mais j'étais avec les gars et je pouvais pas faire autrement. Je suis désolée. Et ton livre, c'est une super idée, hein? S'il te plaît, sors. Allez les gars, chopez-le! Non, les gars, c'est ok. Viens, on va l'aider. T'es fou quoi, après il faut s'en prendre à nous. Mais c'est lui ou nous. Allez, viens. Stop, s'il vous plaît. Viens. Regarde, il y a Savonnette. On va encore bien s'amuser aujourd'hui. Noé, qu'est-ce qui se passe? Depuis le cours de sport d'hier, t'as pas dit un mot. C'est encore Sam et sa bande qui t'embêtent. Noé, parle-nous.
Tu veux, je vais lui casser la tête maintenant, là. Lola, calme-toi, sinon c'est toi qui vas avoir des ennuis. Peut-être, mais au moins je reverrai plus à sa tête d'hypocrite. Bon, il faut qu'on y aille, sinon on va être en retard. Noé ! Noé, tu viens ? Noé, reviens ! Qu'est-ce que tu fais ? Reviens ! Noé ! Suzy, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, suis-moi. Oui ? Bonjour, monsieur. On peut vous parler, c'est à propos de Noé. Oui, allez-y, entrez. Je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe ? Depuis combien de temps ça dure ? Un an. Environ un an. Un an, je crois. Au moins un an. Comment tout a commencé ? Une histoire de douche, il me semble. Sous la douche. Il a glissé sous la douche. Qui harcèle qui ? Noé, il nous harcèle. C'est Noé qui nous harcèle. Noé nous harcèle. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous frappe. Il passe son temps à mentir. Il nous tape, il nous insulte. Comment ça a commencé ? Tout a commencé à la piscine, sous la douche. Il a glissé et... C'est vrai, on l'a appelé savonnette, mais... C'était juste pour rigoler. Il a mal pris et depuis, tous les jours, il nous tape et il nous insulte. C'est très dur. En plus, pour être gentil, je l'ai même invité à mon anniv, mais il est pas venu. Ça m'a fait de la peine. Je vois. Tu peux y aller. Au revoir. Bon, Suzy, Lola, je suis désolé, mais sans le témoignage de Noé, je ne peux rien faire. Les garçons sont très solidaires autour de Sam. Bien sûr, je ne crois pas un seul mot de ce qu'ils m'ont raconté. Mais pour l'instant, je ne peux rien faire de plus, à part d'être vigilant. Vous devez convaincre Noé de témoigner. D'accord ? Qu'est-ce que tu fais là, ça va mettre ?